le temps de choisir la thématique et le périmètre de votre projet. C'est le moment des échanges avec le mentor qui accompagnera votre classe. Définissez ensemble les objectifs d'apprentissage, le transfert des connaissances nécessaires, la faisabilité dans le cadre scolaire, mais également le rôle et le degré d'implication de chacun. Il s'agit d'une authentique négociation didactique et pédagogique entre vous et le mentor de la classe. Les apports sont mutuels entre vous et le chercheur. Mais vous restez maître à bord. Vous êtes le chef d'orchestre du projet parce que c'est vous qui connaissez les élèves. Ce temps d'échange est déterminant. Sachez que le mentor ne sera pas forcément avec vous à chaque étape de la conduite du projet. Ce moment de cadrage commun vous aidera à évoluer en autonomie dans la classe avec vos élèves. Ça y est, le moment tant attendu est là. Annoncez le projet à vos élèves de la façon que vous souhaitez et laissez place aux questions des élèves.